Cosmos France est en tête de la Coupe de Jamaïque. Alors ça c'est qu'on va finir en moins de 10 minutes, on va finir vers 12h40, on vous rappelle qu'on reprendra vers 13h20.
Elle prend le meilleur temps, Lise Petit. Ah, le chrono. Là, ça va booster les filles de la troisième série. Ah, sachez qu'elle essaie d'être tournée donc en 4 minutes 16. Oui. Et donc par rapport à Marie tout à l'heure qui avait remporté la série précédente. Chanel. Non mais Chanel va en mettre la première, alors on part. Chanel avait gagné tout à l'heure, ça c'est les qualifs. Elle va repartir, mais bon, les secondes de perdu, là ça va être plus chanel. Là, elle le sait. Là, pour prendre des points. Coralie Nauvois, eh ben, c'est-à-dire qu'on a un enfant en passage, peut-être oui, et Coralie ben, qui a l'habitude de rouler, même comme je disais, elle a roulé pendant des années en Ufolec, donc elle connaît les conditions un peu délicates. C'est vrai que depuis le début de la saison, on a un championnat de Coupe de France où il fait toujours des conditions humides. Alors, Morel, au bois, Célia Noéan qui est bien là, Célia, et Audrey Delaunay. Est revenue la jeune femme à la panthère. Là, là, c'est compliqué au poste de là-bas. Il y a même un photographe qui a dû s'écarter. Il peut s'appuyer sur les critères de sécurité au poste de là-bas. Et tout le monde est en poste de là-bas. Tout le monde est en poste de là-bas. Tout le monde est en poste de là-bas. Regarde, et elle reçoit. Oh là 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 là. Et ben c'est passé, bravo. Chaud. Madame Aubois, pour le cœur. Hein. Oui. C'est serré entre toutes les trois. Et c'est bien Adrien qui a pris le coup. Allez, le poste de là-bas, regardez le scénage avant de démarrer ce fameux virage en rue. Qui récupère la troisième place. La pilote JP Construction, notre copain bordelais. Il sera content, il verra lui qui est partenaire de la voiture sur le circuit de Faleras. Le freinage appuyé, Maximilien Hebdo, il se rappelle que dans 15 jours il nous a fait une finale. Le champion du monde de Cross. Et oui, avec les C2, et Maximilien a fait toutes les finales chaque fois qu'il a roulé. Et là, il est comme coach privé pour Camille. C'est là d'ailleurs qu'il peut se payer ses saisons de course parce que... Allez, nouveau tour du circuit avec les voitures qui arrivent sous le portique du magasin Leclerc de Mayenne. Le magasin Leclerc, qui est un des fidèles partenaires de ce rallycross de Mayenne.
Bravo. Oh, et Camille, excellent et départ Camille de Camille. Ah, Camille qui s'élance, excellent départ de Camille. Mais attention, il faut passer maintenant. Amélie Mollet, je vous donne Marine. Schmitt. La petite, ça se met dans l'autre sens. Oui, voilà, maman, là, vous voyez, vous regardez, vous pouvez tourner le placard plus bas à côté. Allez, c'est reparti. Avec Hervé, alors que vous voyez un duel. Ouais. Les deux amoureux, avec la pilote Allez! Peut-être pas sur la. C'est ton joker qui va les départager encore une fois. Allez, maintenant. Oh, elle a pris de l'avance. Amélie est pas mal. Et Sophie remonte. Sophie est pas mal. Sophie remonte. C'est ce qu'on va faire. Fermez là. Prends ton micro, tu peux parler un peu de champ. Et comme ça, on a gagné 10 minutes. Voilà, on tranquille, parce qu'après on va revenir pour être à vos côtés. Parce que c'est une excellente année devant, qui emmène Amélie Mollier devant la dernière série dans le troisième tour. C'est pas fini, mais ça s'approche. Elle prend le tour joker. Marine Danvaux. Camille Barbe. Allez, ensuite, le drapeau à Damier. Déjeuner, la direction de course aussi, les bénévoles, tous ceux qui s'occupent du circuit, pour vous, amis spectateurs, profitez aussi d'aller voir les voitures si vous avez déjeuné. Et on vous retrouvera à partir de 13h20. Voilà, le drapeau à même. Il y a une rivière ici aussi. Le drapeau à Damier et la victoire, je suis carrément au bord du circuit là, elle a les yeux qui pétillent, Camille Verbe, la victoire pour Camille, devant Sophie Joram, Amélie Mollier et Marine.